Ouais, j'ai encore rien à me mettre. Encore, tu râles, chérie? Bon, on est une soirée ce week-end et j'ai rien à me mettre. Quoi, comment on fait? Bah viens là, on va regarder ça ensemble. Je suis sur internet là. Mais tu veux pas qu'on bouge? Mais On non, sorte, on va acheter? perdre du temps. On va y passer toute l'après-midi, en plus ça te remonte. Ouais, mais moi j'aime bien voir ce que j'achète, toucher, En plus etc. c'est l'heure de pointe. Non, 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 c'est Ouais, moi il faut que j'essaie quand même mes habits, sinon je sais pas si ça m'ira. Mais on a tout en ligne, tu regardes le guide détail, c'est bon. Non mais viens on sort, c'est mieux de sortir, au moins on bouge. Bon, donc si on est là aujourd'hui, hein, c'est pour. Il faut qu'on redynamise le secteur du retail dans le prêt-à-porter, c'est clair. Les gens ne veulent plus aller dans les magasins. Ça, on le constate depuis quelques années, hein, je pense que vous l'avez tous vu, même votre cas personnel. Donc il faut trouver des nouvelles idées, là, il faut mettre des trucs en avant, il faut innover, il faut redonner envie aux gens d'aller dans les magasins. Donc du coup, si on résume. Donc, si on reprend, supprimer les caisses, c'est qui qu'on a parlé? C'était moi. C'est l'idée de départ, je pense qu'on la garde. Hein. Ouais, c'est bon. Commande en ligne vers magasin, c'est moi qui avais pensé, je pense que c'est. Ouais, précommande, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Vous êtes d'accord? Simplification de l'achat. Ouais, c'est moi, bah, je pense que c'est lié à la suppression des caisses, Ah ça ouais. va mieux pour le client et plus rapide. Ok, on garde. Les grands miroirs, je pense qu'il faut quand même garder des miroirs dedans. Ouais, ça, que la personne se voit. Obligatoire. Accès en magasin physique traditionnel. Je pense que Oui, monsieur tout le pour monde peut pas. faire ses boutiques n'importe Si les quand. clients veulent rajouter des vêtements, ouais, toujours la nostalgie. Ok, on garde. Marque éphémère. Ça, pas dans un premier temps, en tout cas, je pense. C'est pas assez Peut-être pertinent. plus tard C'est à un concept développer. qu'on pourra développer plus tard. Ça va. L'iPad. Dans les bandes un peu Un style peu aussi McDo, McDo, et voilà. voilà, c'est ça, ouais. Ouais, Ok. ok, Ou du coup, bien, pour ça rajoute rajouter ça. ou enlever des Ouais, c'est produits ça. si besoin. Ouais, du coup, on aurait une cabine connectée. Et la trappe? Bah, si jamais le client il essaye un t-shirt par exemple où ça lui plaît pas, il peut le remettre directement dans la trappe Et ça part directement et ça partira directement en réserve dans le stock. C'est Ok, pratique. nickel, on garde. Et les ventes privées, ouais, ça rejoint la marque éphémère. Bah, plus on va dire partir sur un système d'un mois où tous les mois on change la marque. Ouais, Très on bien. peut partir sur ça, je pense. Moi, ça me va et vous? Bah, ça a l'air pas mal. Vendu, ok. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au lancement de CAPS. J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie imminente d'un concept qui va révolutionner votre manière de faire du shopping. Pour cela, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine dans notre magasin physique sur Paris. Mais avant cela, on va essayer de vous parler plus en détail de ce qui vous attend dans ce futur magasin révolutionnaire. Pour faire simple, CAPS va vous proposer un nouveau concept. On va essayer de changer votre vision du shopping. À l'heure actuelle, on perd trop de temps dans les essayages, on perd trop de temps dans les magasins physiques. On part sur une idée qui va tout changer. L'idée, elle est simple. Vous êtes chez vous. Vous commandez sur Internet les articles que vous voulez. Vous allez me dire comment ça va se passer. Vous êtes chez vous. Vous commandez vos articles. Vous les essayez. Ils vous attendront directement dans une cabine réservée à cet effet en magasin. C'est-à-dire que la sélection se fait de chez vous, l'essayage se fait en cabine. Notre cabine ne s'arrête pas là. Le but, c'est d'avoir une cabine totalement connectée, c'est-à-dire que le paiement se fera dans la cabine et ça s'arrêtera ici. Fini les caisses, fini la perte de temps, fini. Maintenant, cher public, abordons le côté technique de ce projet et rentrons en profondeur dans comment va marcher notre système. C'est très simple. Encore une fois, vous êtes dans votre cabine, vous essayez les articles que vous avez au préalable sélectionnés sur Internet. Une fois que vous avez tout essayé et que vous voulez remettre des articles en rayon qui ne vous conviennent pas, une trappe sera disponible dans la cabine à travers laquelle vous passerez les articles que vous ne désirez pas. De l'autre côté de la trappe se trouvera un tapis mécanique qui ramènera les articles non voulus directement vers le stock. Une gestion plus simple des flux, des articles et qui simplifiera totalement le mode de fonctionnement des magasins comme on les connaît à l'heure actuelle. Dernière chose, si vous voulez garder un système de shopping traditionnel, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours venir à l'intérieur de nos boutiques faire du shopping à l'improviste au dernier moment. Il y aura des plateformes de paiement prévues à cet effet. Reste à vous à trouver le bon créneau horaire pour venir en dehors des périodes de foule et profiter pleinement de votre activité shopping. Comme vous l'aurez compris, CAPS va considérablement changer le monde du retail à l'heure que nous le connaissons aujourd'hui. Fini les files d'attente, fini les pertes de temps inutiles au moment d'aller faire vos achats en boutique. Tout cela va changer et ce, grâce à ce concept. À partir de maintenant,
on voudrait vous proposer la dernière innovation autour de cette idée, celle des marques éphémères. C'est-à-dire qu'on va pousser le vice à son paroxysme en proposant de choisir vos propres marques à l'intérieur de nos locaux. Le principe est simple, devant les boutiques, vous trouverez des plateformes où vous pourrez voter chaque mois pour les marques que vous voudrez voir à l'intérieur de nos boutiques. Ça sera en fonction de vos préférences et de ce que vous voudrez voir chez nous. C'est du jamais vu, on fera une première phase de test et vous direz les retours. En attendant, j'ai qu'une chose à vous dire, rendez-vous la semaine prochaine, lundi, 14h, dans notre boutique à Paris. Et entrons tous dans la machine du futur. Chérie, j'ai reçu un message des articles qui nous attendent à 15h en magasin. Comment ça, ils nous attendent à 15h? Ben, j'ai réservé un créneau, tu sais, pour la commande qu'on a passée il y a 2 jours. Mais d'accord, mais comment ça marche? Ben, là, ils sont dans la cabine à 15h et on va arriver, on va les essayer, on va valider, on paye en cabine et on rentre à la maison. Aussi rapide que ça. Mais... on paye en cabine? Mais super, ça, c'est génial. Oui, c'est trop bien. D'accord. Bah ouais. On y va? Ouais. Allez.